Marc. Bonjour Franck. Comment ça va? Ça va bien. Bon, dis-moi, créateur de Armor Kite. Génial. Un bateau tracté par un kite. Bon, dis-moi, c'était venu comment cette idée? Il y a 10 ans, j'ai fait une traversée Afrique du Sud-Espagne avec des gens qui étaient fanas de parapente. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait mettre un parapente sur un bateau pour le tracter et ne pas avoir 300 kilos de lest qui t'enfonce dans l'eau. Et voilà, il est sorti le bateau. Donc l'idée, elle a 10 ans à peu près. Pardon ? Elle a 10 ans l'idée à peu près. Elle a 10 ans l'idée à peu près. Bon, et alors tu as commencé à concevoir ce bateau il y a combien de temps ? Eh bien, il y a 3 ans, j'ai réussi à décider l'architecte naval d'enlever les plombs, le plomb au fond et la quille. Et il m'a dessiné un bateau que j'aime bien. Donc, et là donc on a un prototype et un bateau qui est commercialisable. Voilà, un prototype et un bateau pour la commercialisation. Alors les gens vont me demander sur YouTube et sur... Bon, ça coûte combien un bateau comme ça ? Ça coûte 30 000 euros, un bateau avec comme la ça, voile, tout équipé. Voilà. Avec le lit à l'intérieur. Avec le lit à l'intérieur. Ah d'accord. Voilà. Ah oui. Il y a oui. Quatre places. On peut dormir à 4. On peut dormir à 4. Voilà. D'accord. Donc ça pour la mer, pour les la étangs, mer, pour la rivière, pour les étangs, pour le canal Renasset, voilà. on peut le remonter voilà. Comme ça. On a 5 cm de tirant d'eau, donc on peut aller où on veut. On peut aller sur la plage, on peut remonter le bateau. Et éventuellement, on peut rajouter un petit moteur électrique. Voilà, le moteur électrique, c'est un bateau pour un moteur électrique, puisqu'il est très léger et il avance très vite. Allez, donc là, on est à fond économie d'énergie, c'est-à-dire c'est la transition, autant pour moi, pardon, transition écologique, c'est-à-dire c'est terminé le pétrole, c'est terminé le gaz, le charbon. Voilà, on a des voiles beaucoup plus simples, un accastillage très simple, il n'y a que le bateau et un kite. Bah, je te remercie, à bientôt.